En live normalement, attends. Normalement on est en live. On est en live. Ok, on est en live et... On est en live. Ok. Ok, on est en live, il y a un bon son, let's go. Oui. Putain, je sais pas ce qui s'est passé, c'est mon logiciel de stream qui a dit full nique-toi genre. Ah. Ouais, je sais pas, il revient de vacances lui aussi, tu sais. Ouais. Comment ça s'appelle déjà le film? C'est quoi la machine là? Ok. Ah, moi je cherchais le nom de la machine. Ok. On peut lancer si vous voulez. Oui. Ok, ça ouais, joue. C'est pas Imitation Game ton film? Ah, ouais, avec Cumberbatch, il est incroyable ce film. C'est ça. Imitation Game, mais comment s'appelle la machine à l'intérieur du Enigma. Jeu? Enigma, voilà. Ah putain, oui, la machine de. Ouais. Si je... ouais. Allez, il est trop bien ce film, franchement. Ouais, incroyable. Bah, je sais pas, là, je vois un peu Oppenheimer dans le même style. Ouais, j'ai l'impression, mais je pense que ça va être encore pas, plus, plus orienté histoire, etc. Mais franchement, le film sur Enigma est trop bien. J'adore moi les films d'histoire. Ok, bon on est d'accord qu'on fait que les nouvelles maps pour le début. Hein. Oui. On ouais. sait quoi Attends, on commence par ça. Oh le canard. Oh le canard. Ah oui, bah oh, c'est la map exclusive. La nouvelle map exclusive. Oh coin-coin. Le coin-coin. Ah bah tiens, Athènes. On attend Athènes et coin-coin. On en parlait. C'est un signe. C'est un signe. Il faut aller à Athènes. Il faut aller à Athènes. On a regardé la marque qui faisait la peluche. Ah oui, ah putain, il oui. y a plein d'autres peluches. Ouais, il y en a plein d'autres. Oh mec, faut que je rajoute un bouton sur mon stream deck en mode envoyer le Insta à la Kwakumouette. Avec le... Non mais t'as le... Enfin, la pub. On fasse le son, on enregistre le son. Partenaire officiel de la Kwakumouette, t'imagines? J'ai plus joué les gars. Je viens de me demander ce que c'était les boutons, no joke. Moi aussi. C'est quoi les boutons, je sais pas jouer. T'as pris le Wiggler du coup? Un combo. Wiggler avec Wiggler. Ah oui, oh, c'est l'enfer mec. Oui. J'allais dire c'est du cannibalisme mais il le mange pas. Mais c'est un peu le même délire quoi. Oula, elle est pas passée loin celle-là. Ouais. Ah mais on a Tarragone ou quoi? Ah faut aller où? Ah putain. Ok, je me suis fait bait par le terrain. Oh t'es énervé. Oh je suis tout rouge. Dommage. Oh, putain, on va putain. Où oh, mais je sais pas où faut aller à chaque fois. Et oh, doucement. Mais quoi? Tiens, mange. Allez. Oh non, putain. Je sais pas où on va. Moi non plus. J'ai pris le virage trop serré. J'aime pas les cartes et cartes tours. Ah, alors moi je les aime bien, mais là j'avoue que celle-là est extrêmement compliquée à pré-shot. De... Oh mon dieu, c'est oh, pire après. Je vous le dis tout de suite. Oh les bâtards. Ah mais faut aller où? Ah putain, je me fais voler mes objets en plus. Ça dégoûte. Wow, je suis wow, tout wow. rouge. Trop marrant ton machin et ton personnage il a des effets genre. Mais je suis trop. Au secours. Oh là là, il y a des murs. Oh là là, il y a des murs partout. Attention, j'en vois une rouge. Je sais pas qui elle est. Ah bah c'est. Non, c'est pas toi, Tanguy. Si, enfin, c'est toi qui l'as pris? Non, je l'ai pas prise. J'avoue que là c'est juste ma méconnaissance de la map qui ouais, fait... Ouais bah c'est pas facile. Bon après c'est... Parce que ça change tout le temps les c'est comme toutes les maps hein. Aïe. Non non, pas deux fois d'affilée et... Oh bordel. Oh c'est que c'est que ça. Oh putain j'ai réussi à me... Oh là là, je fais nimp. Oh la bleue. Ah, je me dis la bleue. Ah par contre les espèces de boules là, ça faisait longtemps qu'on avait pas vu ça. Quoi? Elle a changé de direction. T'as foncé dessus. Mais oui, vraiment. Oh putain. Let's go. Oh putain. Wow. C'était chaud. Chaud de ouf. Bon bah je suis troisième, bon dernier du trio. Ah et de loin en plus hein. De très très loin. Ah ouais. Ouais, j'ai au moins 10 secondes d'écart avec vous genre. Non mais c'est la reprise. C'est la reprise. Dans le jeu. Ah, moi j'aimerais bien. Ok. Alors celle-là c'est une qu'on avait déjà faite, non? Dans un ancien jeu, non? C'était pas sur. Ah, j'allais dire sur Game. Ouais, j'allais dire GameCube justement. J'ai jamais joué sur GameCube. GBA, c'est pas Game Boy plutôt? PC, G. Ah, c'est GCN. Game Boy Color noir et blanc. Elle est plus très colore du coup. Wesh. Ah oui d'accord, déjà t'arrives, t'as un choix. Oui, j'aime pas du tout. Moi je vais en face hein.
Vas-y. Très bon choix. Très bon choix. Et là, tu sais, c'est un passage secret, t'as le hublot qui s'ouvre. Imagine, tout le monde s'est foutu de ma gueule, mais en vrai. Oh, il y a pas longtemps, j'ai découvert un passage secret que je connaissais pas dans Plage Chip Chip. Pardon ? Ouais, dans la flotte tout à gauche. C'est trop marrant. Les bateaux qui bougent. Dans la flotte tout à gauche, il y a carrément un passage fait exprès. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais je veux pas aller là, moi. Ah ! La palourde, oh bah les murs. La palourde, elle est légère. Oh quoi ? Oh Pierre, je sais pas ce que t'as mangé, mais tu l'as mangé. Oh attends, Guy, j'ai tout vu. Ça a failli, hein. Oh putain, bâtard. J'ai failli te mettre une verte dans le fion, là. Cette verte dans le fion, là. Je vais vous check. Tu vas ? Tu vas quoi ? Non. T'as dit quoi ? T'as dit quoi ? Oh, mais... J'ai compris, je vais biffler, j'étais en mode... Ah ouais ? Non, bouffer. Mais j'ai pas bouffé. Oh non, j'ai jeté ça dans le... Putain. Oh, j'aime pas du tout le... Oh, compliqué. Oh non, l'enculé. Mario... Je suis premier, what the fuck ? Tellement pas habitué à être premier, là. Mes connaissances de la map. Oh là là, mais on peut tomber en fait dans l'eau. Oui, c'est le principe. Bien wesh. Pouah, le resub. Ça gagne ou... Je suis mort. Merci beaucoup pour ton resub, Sigel. Deux fois que je fais ça. Oh non, je regardais pas l'écran. C'est perdu. Ça m'apprendra à lire les noms. Non, je déconne, ça va le coup. Oh, les bâtards. Attends, mais tu m'as lancé. Tu sais ce qui s'est passé ou pas ? Qui c'est à moi ? Oui, c'est en tapant dans ma carapace, ça m'a lancé l'autre. Dans ta carabaf ? Carapace. Ça a tapé l'autre ? J'en avais trois, et du coup ça a lancé une autre. Ok. Ok. Il manque un truc dans le background, non ? Aïe. Dans quoi ? Dans le background là ? Genre... la pile de linge qu'on voit des fois sur la gauche et que je range pas assez loin ? C'est une carte Wii, ça me dit rien. Claire de lune. Si, route au clair de lune, elle est trop bien. Attends. Tu vas voir. Après, le bobombe, il est complètement random, par contre. Le bobombe sur roulette, là, il est complètement random sur cette carte-là. Truc qui sera livré demain. Ah, mais j'avais pas vu quelle personne parlait. Excuse-moi, Arthur. Ouais, si peut-être, ouais. Y a peut-être un petit colis qui arrive demain qui va prendre une place, genre... Juste là. J'ai craqué le PEL. Pourquoi cette histoire de colis ? Oh, y a pas 50 000 colis que genre Arthur connaît et pas vous, tu vois. Moi je connais. Ah, mais toi tu sais Pierre. Barbie, monsieur Sherman ? Hein ? Il regarde pas Barbie normalement. J'avoue. Si, bah, c'est mais plus tard. Pendant la séance, t'inquiète. Oh, c'est quoi ? Ça arrive fort. Bah, ah, j'avoue, putain. Parce que du coup, le prochain live, c'est semaine prochaine. Oh, ce sera peut-être l'occasion de faire un petit post sur le Insta de la TKL. Oh. Je me suis mangé les deux, c'est bon pour vous ? Est-ce que c'est bon pour vous ? En tout cas, c'est bon pour moi. Ah non, je peux pas me protéger d'une carapace avec une pièce. Ah, ça va. C'est worse. Je passe vite fait. Pour faire monter les stats. Ah, c'est gentil. Ça dégoûte. Ah bah super. Non mais c'est éclair l'an d'ici. Hein. Et du coup, elle te dit quelque chose la map Pierre ou pas ? Ouais. Ah. Par contre, les bobombes sur roulette me disent rien du tout. Si, bon. Si, maintenant, ouais, mais. Je suis trop con. Pas non plus. Je suis un gros con, sachez-le. Oh, est-ce que c'est bon pour vous ? J'aime pas du tout cette map. Je l'aime bien. Du moins, je l'aimais bien sur Wii. J'ai un pour protéger. Oh non, bâtard. Ah, c'était la mienne par contre, hein. Il y avait mon nom dessus, mec. C'est pas très sympa, hein. En plus, il prend mes pièces. Ah oh, mais wesh, sorry. Ça va Sorry, wesh, je préfère. Mais attends, mais Mascas, il est hyper bavard. Wow. Mais grave. Wow. Wow. C'est wow.
Bon, j'arriverai jamais à le choper. Alors peut-être. Mais quoi? Comment ça se fait que t'as encore devant moi? D'où t'as pas eu là? Oh il est arrivé, non! Oh non! Oh j'ai le seum. Ah je pensais qu'il était plus loin. Lisa n'est pas là. Non écoute, y en a qui préfèrent aller voir des films plutôt que de jouer avec les gigabros. Et elle va voir le même film que toi, mais avec ses vrais potes, apparemment. Bah ouais, c'est bizarre, vous y allez pas en... Bah moi je pensais aussi, mais apparemment non. Elle est pas là du non, tout, du coup. Non, elle avait dit qu'elle allait voir avec des amis. Aïe, 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 ses vrais amis, je des pense. Vrais amis. Ouais. Bref, ah la carte exclusive, let's go. Ah oui, let's go. Let's fucking go. Avec moi. Ah bah super, ah ouais d'accord, ok, c'est toi les vrais amis. Mais en fait oui, il y a toute la clique, c'est quoi ce bordel? On y va avec une pote. Il y a toute la clique, je suis mort. Salut les gars, comment ça va? Aïe aïe aïe. Ah j'étais en train de me dire, putain le nombre de spectateurs, il monte, c'est quoi ce bordel? Et puis ça monte encore. C'est parce qu'il y a le thé. Et le thé. Oui. Et marqué le thé. Bon alors est-ce qu'elle est bien la nouvelle map? C'est le grand retour, hein, c'est le grand retour du thé. Hein, parce que... Imagine avoir des amis. Non je déconne, mais imagine quand même. Ok, ok, bon, ok. Ok. Ça fait longtemps que t'étais pas venu. Oui. Mais oui, toi, t'étais bloqué sur AC, non? Oui. Oh. Je suis encore un petit peu. C'est trop mimes. Oh, wow, c'est trop mimes. J'adore. Attends, bien foutu. Oh putain, c'est. Pouah. Oh, c'est un banger. C'est un banger en déco, par contre. Hein. Aïe. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'était le fion de Pierre. Tu m'as touché là, ton but, tu m'as fait un lance, oui. Un truc. On sort des chiottes ou c'est moi là? Ah, mais ça glisse de ouf! On est dans la salle de bain. Oui, bien joué. Bravo, ah, belle déduction. C'est magnifique! Par contre, elle est trop trop bien faite, hein. Elle est magnifique la map. Ouais. J'étais mort, j'ai juste vu un extrait de Zera, je crois, qui dit. Genre, c'est la première fois en je sais pas combien d'années que je vais dans une salle de bain. Non, c'était Ponce. En tant que gamer, c'est la première fois depuis je sais pas combien d'années que je vais dans une salle de bain. Sachez-le. Je vais tenter une dinguerie là. Vas-y, vas-y, on te regarde pas. Hein. Je vais essayer de. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Tu voulais aller en haut vraiment, genre? En fait, c'est de la merde. Ouais. Ah. Je pense pas que tu puisses, hein. Oh, mais qu'est-ce que je fous là? Ah putain! Par contre, le tuyau là, j'adore le passage tuyau là. Viens par là, mon mignon. Viens par là. Oula. Je vais vous laisser, moi. Ah mais ça glisse pas, c'est le ventilo qui nous pousse. Ah c'est le ventilo qui nous pousse. Oh le jet d'eau. Jet d'eau il est bien ou il est pas bien? Le jet d'eau. Ah oui il est bien. Il est bien. Il est très bien même. J'ai découvert un nouveau lieu. Voilà dingue, le cut de fou. Oh putain de merde, pas par là. Ah mais oui. Oh le cut de fou que je viens de faire sans faire exprès. Le robinet. Ah mais toi aussi t'es là. Oui. Oh. T'étais là. Y'a rien à faire ici. C'est des bombes de bain. Oh. Ah j'ai rien. J'étais en train de klaxonner à mon cul, j'étais en mode bah pourquoi y'a rien qui part? Ah. Allez, les boules de feu là. Les boules de feu. Les boules de feu. Pour le thé, les boules de feu. Oh non, oh non. Oh, j'allais pouvoir le dépasser, oh l'enfer. J'allais refaire le même cut que le tour d'avant. Bah moi aussi. Je l'ai senti gros comme une... Oh, non. Alors peut-être. Oh let's go. Alors peut-être. Oh oui. Oh, oh oui, oh merci. Oh là là, la bleue qui me donne la victoire, let's go. Bon c'est victoire pas méritée, hein, vraiment. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir quand la victoire t'est offerte sur un plateau en or comme ça là. What? Spoil. Ah ouais, non, mais spoilez pas, hein, spoilez pas. Hein. Backseat de film interdit. Road trip à Los Angeles. Bah, Pierre, sois meilleur. Ouf. Juste pure skill check par Adrien. Arthur, il doit pas venir souvent. Je suis mort. Bah, vas-y, bah, j'espère que vous avez clippé. Hein. J'espère que vous avez clippé, hein. Parce que faudra vous en souvenir. Sois meilleur. Putain. Sois meilleur, putain.
Ah, c'est vrai que j'ai pas pensé à faire ça. Fais un if. Attends. Mmh. Ah, y'a plus les sons. Les sons sont cassés, sachez-le. Ah bah non. C'est le retour de vacances, tout est pété, hein. Vraiment. On a tout débranché. Bon. C'est ça. Ah, coupez oui, le compteur. Fais chier, hop. Oh! C'est pas passé loin, j'ai tout vu. Oh là là, le sniping qui est pas passé là. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Est-ce que c'est worth de faire ça ou pas? Ah, un peu quand même. Faut aller où? Faut aller où? Faut aller où? Faut aller où? Elle est où la piste? Putain, je pensais qu'il fallait aller tout droit moi. Oh les crabes. Oh putain, c'est à gauche. Oh le crabe. Oh le C. Oh what the fuck. Oh what the fuck. Là c'est verte. Attention la rouge. Ok. Là, c'est prévenu. Oh putain. Mais quoi le coup pas. Oh. C'est bon, t'as pas de caisse. Ah, faut voler plus haut que ça, putain. Oh non, le trottinette. Oh le ouais, stop, attends. Ah oui. Je pensais qu'on pouvait un peu monter dessus, tu vois, mais pas du tout. C'est un. Non, j'ai cru que c'était un passage à gauche. La place Delfino aussi. Ah ouais, putain. J'avoue, ils l'ont toujours pas remise celle-là. Hein. Alors qu'elle est attendue par les fans, mais violent. Putain, je crois que c'est. Voilà. Ah. Oh, ça a failli faire le snipe de l'année. Hein. Je me mange une rouge, mais. Oh la rouge. Oh le bleu. Mais. Ah. Je me mange tout. Oh, j'ai même pas fait exprès, mec. D'autres jeux que j'ai pas fait exprès. Je veux pleurer. Ouais. Oh. Tu sais que je joue avec les bots, hein. Bah écoute. Bon, j'ai failli lâcher un stave. Hein. Ok. Oh non! Oh, j'ai évité la rouge, mais pour rien du coup. Oh, mais c'est une deuxième victoire d'affilée? Non. Oh la dingue! Oh la deuxième victoire d'affilée! Putain! Oh. Incroyable! Je pense que le chèque à Nintendo est pas parti ce mois-ci. Bah, j'avais plus de thunes. Ouais. Plus. C'est pour ça. Je comprends mieux. C'est honnête. C'est honnête. Honnête mais juste. C'est Tandax quoi. C'est compliqué quoi. C'est l'Espagne. Aïe aïe aïe. J'ai tellement hâte pour pas celui-là mais celui d'après. C'était une de mes courses préférées sur Wii. Ah ouais. Ouais, Cap Koopa. Ouais, Cap Koopa c'est une de mes préférées sur Wii. Ah oui, 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 je m'en souviens. Si ce n'est ma préférée. Bah après, il y a aussi le personnage qui joue, quoi. Genre, j'aime beaucoup Koopa. Mm. J'en souviens. Ah, c'est vrai qu'il y a Kamek maintenant, je me disais aussi. Mm. Ils ont rajouté qui le Kamek, Wiggler, c'est tout? Non. Pitland Piranha aussi. Ah oui, c'est vrai. Et il en reste un encore, je crois. Il en manque deux. Deux encore? Putain. Mm. On dit un petit Funky Kong, là. Funky Kong! Ah, il était bien aimé sur Wii, celui-là. Ça glisse. Ah, oh, what the fuck? What the fuck? Bah, ça me gratte. Perso sur la Wii. Hein. Fuck. Oh non! Bah. C'est passé quoi là? Ouah, je me suis j'ai failli me prendre une verse tellement sale. Mais putain, ils en ont plus rien à foutre les bots. C'est quoi? C'est un peu la ruée vers l'or, c'est quoi ça? Oh non putain, au moment où je vais cut ça dégoûte. Envie de canner, envie de Guillaume. Pourquoi? What putain! Putain! Oh putain, quand? Mais putain! Ça me saoule là par contre. Oh tous les champis! Et je les loupe. Ça va Tanguy? On te gêne pas là? Ah, tu t'es quand même pris la bleue, ça me va. J'ai sauté par-dessus. Ok, donc il y a un bot devant moi et. Ah, ça n'est pas là. Ça va, sans pression hein? Oh putain, je fais nimp. Mais c'est quoi cette merde?
Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mange la marde. Mange la marde. Oh putain, la bile là. Oh la bombe aussi là. Fouah, c'est pas passé loin. Ouais. Non mais y'a tout. Y'a toute la smala qui se ramène. Oh, oh putain, je suis trop con. C'est le dernier tour en plus. Putain, c'est le dernier tour. Ah non, tu passes pas devant, t'es mort. Fous-toi. Allez, allez, oh, je suis trop con. Oh non mais s'il te plaît, je suis troisième, y'a tout qui m'arrive sur la gueule là. Je suis troisième, y'a Ludwig qui vient de me dépasser en fou champi étoile. Bon, j'ai joué comme une merde certes, mais Ludwig il m'a dépassé sur la ligne d'arrivée en full étoile avec trois champions autour de sa gueule genre. Oh le P il avait feu au cul. Oh le P. Oui. Oh le P. J'ai envie de le revoir en fait. Ah, je pense que j'ai rematé le 2 moi. Ouais. J'aimerais qu'il repasse au ciné en fait. Je l'ai hein. Sinon. Comment ça? Je l'ai. Sur Flex. Ouais. On ne joue pas. Oh l'esquive. Oh ils l'ont raccourci le machin. Oh je suis tombé dans l'eau du coup. Oh j'ai pas eu de. Oh je suis trop con. Parce que je t'avais dit, je l'avais regardé en 3D. Ah ouais? Mais ça m'a pas plu. Ah, en 3D, ça t'a pas plu? Ouais, en fait, si, c'était bien, mais du coup, tout l'aspect couleur. En plus, pour l'eau, pour, dans le. Oh là là! C'est tellement beau. Bah, oh, ça a changé ici. Gris. Oh, ça a changé, y'a plus les trucs électriques. Oui. C'est un peu dommage, c'était bien. Bah, le fait d'avoir les lunettes 3D faisait que je sais pas la couleur était grisâtre. Ah ouais? Du coup, bah, ça m'a un peu. Ah, tu m'étonnes, ouais. Ouais, mais je peux comprendre que ce soit chiant. Genre, j'enlevais les lunettes, je faisais waouh, la couleur est magnifique. Tu les remets, t'es en mode c'est à chier, bon. Super. C'est gris. Wouyou! J'y arrive pas du tout à celui-là. Ça y est, je recommande à reprendre mes réflexes de. D'antan. Je trouve qu'il va trop dans tous les sens là. Ouais, ça c'est pas cool par contre. Oula. Ah bah super, ça met bien ça. Putain. Aïe, j'ai fail. En fait je pense que c'est juste le fait d'avoir Pierre devant moi qui me stresse. Par contre elle est vraiment très punitive en termes de... Oui. D'objets. C'est pour ça que je suis très loin. D'objets, elle est vraiment très punitive. C'est vraiment tu perds un objet, t'es baisé quoi. Alors t'es baisé à part si tu fais un giga écart sa mère quoi. Y'en a pas sur la route quoi. Ah par exemple je suis foutu pour l'arrivée tu vois. Parce qu'il n'y a aucun objet. J'avais aucun objet sur la toute fin et genre tu peux pas récupérer d'objet. J'ai pas dû avoir d'objet sur ce tour là je crois. Ouais c'est un peu galère pour les objets. Bah t'es vraiment obligé de t'écarter à mort de la courbe pour en avoir quoi, c'est un peu dommage. Mais je crois que c'était déjà le cas sur la version Wii. J'ai l'impression qu'elle est aussi punitive dès que tu tapes un mur ou un truc comme ça, tu perds tout. Ouais, genre, ouais, t'as pas de. C'est un peu baisé, ouais. J'avoue, j'avais l'avantage de la connaître par cœur, genre. Je t'avoue que les réflexes sont revenus. La virée à Vancouver, là. Je crois que c'était la première carte où j'ai réussi à esquiver une bleue avec un champi. Virée à Vancouver? Non. Ah, Cap Coupa. Virage, ou alors, pardon. Ou alors, c'était la première carte où quand j'ai atterri. Et j'ai vu que tu pouvais partir en démarrage turbo si t'étais tombé dans le vide. Ah oui.
tapé au bon timing, je crois que c'était peut-être ça que j'avais vu à l'époque. Tard l'époque. Oula, c'est quoi cette carte? Ah bah super. Ah oui, j'avoue, la carte j'avais pas vu, elle a l'air un peu complexe, ouais. Effectivement. Les cartes Mario Kart Tour, à chaque fois, c'est plus des cartes, c'est des serpentins, genre. Ouais. C'est des plats de spaghettis, les machins. Mmh. Oh, pour l'instant, ça va, j'aime bien. C'est une petite prise. Ouais, sympa, c'est un petit truc. Pour l'instant, j'aime bien. Mode de montagne et tout, ouais. On peut monter là? Ouais, on peut monter, ouais, on peut serrer les virages. Ah oui, d'accord, faut pas trop les serrer. Faut pas trop serrer les virages, hein. Non. Ah, mais en fait, c'est impossible de l'esquiver là, par contre. Ouais, mais ça va, oui. Bah, Tanguy, qu'est-ce que tu fous là? Mais. Ah merde. Putain, ah, j'allais dire, c'est ma préférée en termes de décor. Ah, franchement, elle est pas mal, hein. Jusqu'à ce que j'arrive dans la ville. Pourquoi j'ai une étoile en quatrième là? Je vois pas. Moi non plus. Super, je suis dans l'herbe. Ok, c'est illégal les objets que je viens d'avoir. Mais comment ça? J'aime bien. Mais... j'aime bien, la carte se ressemble jamais, j'aime bien. C'est ça que j'aime bien aussi avec les cartes Mario Kart Tour. Je suis 8ème. Bah. Pour l'instant, je dirais que c'est de toutes les Mario Kart Tour qu'on a fait, ça serait. Pour moi, c'est la meilleure. Hein. C'est ma préférée là en termes de décor pour le moment. Oh putain, c'est quoi ça? Ok. Ok. Heureusement qu'il y a des petites flèches à des endroits parce que. C'est pas la merde sinon. Oh, je vais me retrouver. Et ah, mon dieu. Oh non, putain! C'est trop pico. C'est trop pico, putain. Pico. Putain. C'est fuck trop pico. Mais arrêtez! Oh, putain, je suis trop con! J'ai raté mon virage. Je me fais punir par tous les bots. Je sais pas ce que je la punition. Oh non, pas là. Oh non, pas là. Oh putain. Oh oui putain. Oh le snipe. Oh le snipe de dingue. Oh merde. Putain. Je me suis fait bait. Oh le snipe de dingue. Oh c'est mérité. Oh je suis désolé, c'est mérité. Pierre, je t'ai snipé de l'entrée, c'est moi qui va prendre la bleue, de l'entrée de l'arène. En gros, je me suis dit tour d'avant, ça doit c'était à gauche. Forcément ce tour-là, je le vois bien qu'on va aller en face, tu sais, je voyais la porte de loin. J'ai lancé ma bombe en avant, elle a rebondi sur le truc central et elle est arrivée dans l'escalier d'en face. Genre vraiment le move de génie. Bien joué. Bon, je finis deuxième quand même, hein, faut pas déconner mais Aïe. Bon, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas trop mal. Pas dégueu. Pas dégueu quoi. La coin-coin ma préférée. La coin-coin ta préférée? Bah vas-y, let's go. Lance une game de 8 ou plus. Comme 8 ou 12 veux. Oh 12 ça se fait non? Allez. Vas-y une 12 hein. J'ai juste aux toilettes. Vas-y. J'ai lancé, dommage. Il a dit je vais aux toilettes, au moment où j'appuie sur A, je tourne. Ah ouais. Dommage. Vas-y je vais tempo de fou. Course à la propreté. Incroyable. La petite course à la propreté. Petite propreté là. La petite propreté. Fait combien là chez moi parce que je décède. C'est la décédence. La décédence. Dans le salon il fait 26,1. Dans le bureau je pense qu'il faut au moins 2 degrés de plus. Ok. Bah moi il fait 26. 7-2 là dans le salon, mais il fait chaud. C'est le décès. Ce sera le Cap Koopa. El Capo Koopa. Oh yeah. J'espère pour lui qu'il revient très soon. Ah, je suis deg, ils ont nerf tous mes personnages. Ouais, j'ai vu que les stats avaient été refaites. Bah tiens, en deuxième. Bébés, ah, t'as pris le Piranha sont... Ouais, tous les bébés sont en F. Merde. Peu du tout en S. Faut que je regarde, un peu les compos qui. Putain, j'arrive plus à des. Vous êtes des arnaqueurs. Non, mais en fait, au moment où t'as dit, je vais pisser, j'avais appuyé sur A pour lancer la game en gros.
J'ai entendu ouais ouais ok ouais. Bah en fait oui non mais du coup je t'ai dit ouais vas-y mais en même temps je venais d'appuyer sur le bouton, j'étais en mode bah non je suis trop con, je pourrais pas tempo derrière. Ah oh, mais non on va prendre cette carte. Ouais c'était au hasard hein. Bon, c'est moi qui ai choisi mais. Waza. Con putain. Waza. Alors sachez-le, vous pouvez jump à l'entrée dans le tuyau. Est-ce que t'as la ref de la vidéo de Squeezie qui fait Waza ou pas? La vidéo de Squeezie qui fait Waza? Oui. Alors non, moi j'ai le film. Oui, bien sûr. Mais non, pas, le, pas mais la vidéo là, de Squeezie. Je parlais exprès de ça. Non, non, non. T'as l'impression que t'es un fanboy. C'est, bah vas-y, balance du coup. C'était sa vidéo pour ses 300 000 abonnés. Il avait fait quoi pour ses 300 000? Bah en gros il est allé voir plusieurs gens, il disait hey, « Eh regarde j'ai 300 000 abonnés !» Il fait « Waza !» Après du coup la personne en face il disait « Waza !» Et ça fait « Waza !» Mais c'est une vieille vidéo du coup non? Ah bah du coup... Ouais bah oui. C'était le Squeezie sans barbe et tout genre. Ah bah bien sûr. 300 000 abonnés. Ah je sais pas, je me rappelle pas mec, quand est-ce qu'il les a eus? Oh je sais pas, 2014. Ah ouais j'avoue ça fait mal putain. Squeezie pas connu, c'était mes, tous mes étés. Au moins deux étés. Oh là là, la dingue ce que je viens de faire. Tous mes étés, au moins deux. Non, mais les étés où tu commences à être autonome et tout quoi. Ah oui. J'étais dans ma chambre, puis en. À passer deux mois à jouer et à regarder des vidéos. T'étais autonome. Il était autonome, mec. J'avais un PC quoi. L'autonomie du PC mec. C'est important. Oh non putain. C'est parfait ça, je me tapais une bleue à ce moment là. J'ai tout vu Tanguy que t'as essayé de me goumer là. Mais c'est, j'ai pas réussi. Ouais non t'as pas réussi mais t'as failli hein. Ça a failli. Oh putain il m'a tout volé devant la gueule. Mais qui c'est moi? Oui toi. Bon bah salut hein, je me casse. Ouais je vois ça. Je voudrais pas que ça recommence. J'ai fait tout. Ah ouais mais on a pas d'objet pour te déloger mec. J'ai failli faire de la merde à la fin là. En vrai je la trouve vraiment un peu trop punitive en termes d'objets hein. Parce que vraiment genre j'avais des objets genre à deux endroits sur la map quoi. Et t'as jamais de double truc. C'est un peu chiant. C'est l'heure de les laver là. T'es pas de Posmos Yoshi? D'ailleurs, je me demandais. Laure, t'entends jamais gueuler? Dans le bureau? Si, si. Oui. Ah ouais? Si, si, t'inquiète. Bah, quand je. Bah, après, ça va, je suis pas trop insupportable non plus. Genre, je gueule de temps en temps, mais ça va. Genre, quand je parce parle là, elle m'entend pas, tu vois. Parce que tu vois, bon, là, ça va, il est 22h. Mais... Non, mais quand je parle là, ça va, tu vois. Moi, je travaille pas, du coup, je fais un peu ce que je veux. Et du coup, à un moment donné, il faut que je parle moins fort. Pour que beau. Du coup, je faisais réflexion. Ah, mais y'a personne qui bosse le soir. Oui, mais à un moment donné, t'as bien envie de dormir. Ouais, mais ça va, genre, les lives, ils finissent max à. À minuit et demi, genre. Non, oh, du coup, ça va pas. Ouais bah regarde, te souviens d'un live on est resté jusqu'à 2h du mat? Non. Ça a déjà dû arriver mais rarement. Non, je parlais justement au jeu pour l'heure. Mais moi, genre 23h, 23h30. Moi je me souviens, mais ton live il a duré jusqu'à 4h du mat. Oui oui, non mais oui mais là l'heure était pas là. C'est vrai. Et c'est pour ça. Et oui. Oula. Attention. Attention, j'ai une rouge au cul. Attention, j'ai une banane. Oh bah, j'ai pas maintenant. Ah, la musique avec le. Arrêtez, monsieur, une tentative de déconcentration. Est-ce qu'on t'entend quoi? Est-ce qu'il vous l'entendez Mascat ou c'est que moi? J'ai un casque sur les oreilles et j'entends pas du coup trop ce qui se passe.
au niveau du son du jeu. Bah moi j'ai le son du jeu dans le casque et je l'entends pas. Ou alors très peu quand je le croise, tu vois, mais... Je joue exclusivement le son éteint. Je déteste le psychopathe, jeu. Tu sais. Du jeu. Moi je joue avec Véronique. Oula. Véronique Cruz. Véronique Sanson. Bien vu. Comment elle va ? Elle était technique. Comment elle va ? Écoute, pas trop mal. Ça va. Imhotep. Est-ce qu'elle joue toujours du bien et debout ? C'est pas du tout qui chante ça. Non, c'est J'allais dire Michel Berger, mais j'ai peur de dire une connerie. Ah non, c'est une femme. Ah ? Non. J'avoue, j'ai un doute maintenant. Attends, je confonds avec un autre truc où on a parlé de Michel Berger il y a pas longtemps, je crois. Tu me fais un choc mental. Je suis en train de dire full merde, je crois. Non, je suis en train de dire full merde, je crois. Michel Berger, pas du tout. C'est une meuf, t'as raison. Je sais que c'est une meuf. Il jouait du piano debout. Ah oui, c'est ça, t'as raison, c'est une meuf. Attends, c'est pas. Attends, j'ai dit tout. Gabri. Non, c'est pas. C'est Tal, mec. J'ai voulu jouer du piano. J'ai fermé. J'ai fermé les yeux. Le piano était désincognito. Attends, c'est qui putain? C'est pas France Gall non? Bon, je pense pas non. France Gall, t'as raison. Ah mais non, je sais pourquoi j'ai confondu avec Michel Berger. Michel Berger, c'est la groupie du pianiste. Oh, vous la connaissez, vous foutez pas de ma gueule. Allô? La groupie du pianiste. Elle passe ses nuits sans rien dire, rêvant d'un bel avenir. La groupie du pianiste. La groupie du pianiste. Ah ouais, je vais laisser le vocodeur maintenant. Il jouait du piano debout. C'est peut-être qu'un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Alors la zone. Ça dit quoi? C'est l'été, tous les jours c'est samedi soir. Oh putain, faudrait quoi trop qu'on fasse un live genre reprise foireuse de chansons. Y'a que moi qui est chaud. Faudra quoi? La tequila. La tequila? Ah, on peut chanter ta salsa tequila si tu veux. Hein. Y'a pas de soucis. Alors, mec. Après la tequila en live, je suis pas sûr que Twitch il soit fan. Bon, c'est de la cristalline. C'est de la cristalline mexicaine, mec. Navy Blue, il est bourré. J'ai déco, mec. Ouais, la déco? Ouais. Merde. Faut acheter une connexion, frère. Ah ouais, bah oui. Enfin bon. Attendez, je vais me reconnecter. Vas-y, reconnecte-toi. Essaye. Je me reconnecte, là. Vas-y, vas-y, le P. Bon, je me reconnecte. Oh là, elle est pas passée loin celle-là. La chaîne. Spectateur. You are a spectateur. Pourquoi y'a que mes maps qui passent depuis tout à l'heure? Pour le thé. La mienne celle-là. Ah ouais? Défonce-le. Je crois que je l'ai mise aussi. Je crois que je l'ai mise aussi, ouais. Oh, incroyable. C'est qui a mis les claques merde? C'était toi, Pierre? Ouais. Ok, donc c'est bien moi qui l'avais mise. Attention! Oh non, ça par contre. Non mais stop. Bon, jamais je te rattrape. Oh en le plus, truc, le coup de bâtard que je t'ai fait. Oh non, le karma, non. Oh putain de karma. Pierre, il a réussi à me redresser, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bon pour vous? Oh le chouchou. Oh il est beau le chouchou. Mais barre-toi. Cassez-vous, con de mime. Oh putain, l'éclair de sa mère! Bon, ah, c'est mort. Oh non, il s'est passé quoi? Non, Pierre! Je vais te goumer! Non, va te faire foutre! Goûte-moi, hein! Mais vas-y, nique sa mère! Mais Tanguy, pourquoi te faire tout droit? Mais je sais pas. C'est pas par là qu'il faut aller, je crois. Je suis pas sûr. Et vas-y, j'ai jamais aucun objet ici, ça me casse les couilles. Je vois rien.
Ah, ah. Oh non, attends, putain. J'ai failli me faire éject. Putain de sa mère. Oh, c'est tu m'as dépassé à la fin. Je vais... Je vais te dégommer ta race. Allez, on va changer de voix. Alors c'est laquelle? C'est la celle qui est aiguë. Voilà, donc maintenant elle est aiguë. Ah, je parle comme ça pour une game. C'est les voix témoignages là. Oui, c'est les voix qui... Non, attends. Ça c'est... Oh non, attends, ça c'est la voix témoignage. Ça dépend, les deux. Les deux, c'est des voix témoignages en vrai. Surtout la meuf là. La voix aiguë. Attends, c'est un peu trop aiguë. Est-ce que vous reconnaissez. Est-ce que vous reconnaissez cette personne? Oui. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre? Nous la surnommerons Karine. Elle va nous raconter ce Nous l'appellerons Karine. Oui, bonjour. Alors, ils sont arrivés à deux. Ils m'ont pris la première place. Ils n'ont pas arrêté de me violenter de la partie. J'ai fini cinquième. Je trouve ça inadmissible. Mais ça dégoûte. Ça dégoûte. Mes manettes étaient déco. Oui, c'est ça, ouais. J'aurais pas dû faire ça. Oh putain. Quoi? Oh, tu as mis le kimono. Oh le pire, il a mis le kimono. Oh le pire. Oh putain de merde. En fait, j'aimerais bien appuyer sur mon bouton pour faire les deux voix. Genre, tu sais, faire le présentateur et faire la voix de la victime. Mais c'est compliqué. C'est loin. Je suis crédible quand je parle comme ça ou pas? Un peu. Et là, je suis crédible. Ah bah là... Ah t'as peur là. Une voix t'as peur. Oh le snipe. Oh let's go. Oh putain, ça a dû faire peur en faisant ça. Ah c'est mieux. Hop les. Hop là. Ah là c'est baisé. Là je suis baisé. Là, c'est baisé. Non. Oh, c'est chiant, y'a pas de double, hein. Oh, je peux rien faire, là, putain. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis trop cool. Oh, j'ai fait nimpe. Oh, j'ai perdu 50 places, genre. Oh, sans lui. Ça va, Tanguy? Adrien, arrête. C'est pour te déconcentrer, mon enfant. J'ai glissé partout. Sors de lui, putain. Pierre, je vais te goumer. Vas-y, goumez-vous entre vous. Ça, comme ça, là. Comment ça, c'est terminé? C'est terminé, mec. Mais j'ai pas passé la ligne d'arrivée. Nous l'appellerons Catherine. C'est terminé, mec. Mais... Attends, mais c'est archi bloqué. Nous allons recueillir le témoignage d'un homme qui s'est fait doubler sur la ligne d'arrivée. Nous l'appellerons Quentin. Oui, alors en fait... On est passé sur la ligne. J'étais bien parti pour gagner. Et deux zigotos sont passés juste devant moi. C'était totalement illégal, avec plusieurs carapaces au cul. Et j'aimerais me faire rembourser, ça fait 3 mois que j'ai appelé l'assurance. Elle ne m'a pas rappelé. Ouais, j'arrête, j'ai plus d'idées. Hein. En fait, la voix, elle fait tout, tu vois. J'ai même pas besoin de dire des trucs intéressants, genre la voix fait tout. Mais est-ce que t'as pas envie de faire la voix aiguë aussi en même temps que tu parles? Hein? Non, en vrai ça va. En vrai ça va. En fait ça va, tu t'habitues au bout d'un moment. Genre c'est vrai que j'ai tendance à la faire un peu plus aiguë que ma voix normale. Mais en fait comme tu t'entends en direct, t'as l'impression que c'est déjà ta voix genre.
Parce que si je fais ma voix aiguë, tu vois, ça sonne direct bizarre. Ça fait beau encore plus aiguë, du coup, ça fait super bizarre, genre. Ah, c'est drôle. Et du coup, c'est pas du tout embêtant pour parler, quoi. Tu peux voir les bâtards. Oh, les bâtards. Ça change en fonction du... Mais non. Bah si. Mais non. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Bah voilà, c'est vrai. Ne vous inquiétez pas les amis, je suis Nick Talope. On savait que t'étais une salope. Non, Nick Talope, ça veut dire que je vois dans la nuit. Oh putain, je peux faire le donjon de Nalbuck et moi tout seul. T'aimes bien les antilopes? Ah ouais, non, rien à voir, je vois juste dans la nuit. Putain, oh, c'est trop. Je pleurais. Mais je suis bien concentré. Technique de déconcentration ultime, attention à la baleine! C'est le Chipmunks. You spin me right round, baby right round. Oh putain, par contre, j'arrive pas à chanter. Genre, ça, je chante faux du coup. Mm. You spin me right round, baby right round. Rock a baby, round. You spin me right round, baby right round. Je crois qu'il y a toujours Adrien, Arthur et Brice qui regardent. Je pense que c'est parti, hein. Dans un art. Mais je suis coincé. T'es coincé, là. J'étais coincé devant une voiture qui me poussait. T'es coincé, là. T'es coincé, là. C'est bah, coincé, ça m'est jamais arrivé. Ça vous est déjà arrivé, ça? Oh. Non. J'étais dans le pare-choc d'une voiture qui avançait, du coup, elle me repoussait. Ça doit faire mal. C'est pas crédible, putain, je suis mort. Oh putain, et Pierre, tu devais être loin devant vu les objets que j'avais. T'as entendu? Ouais. Après, il y a le robot, il est énervant. Ah ouais, celui-là, il est super énervant. Du coup, je vais le laisser. C'est Rob. C'est vrai que Rob, il est parvenu là dans le jeu. Non, c'est vrai ça. C'est vrai, mais ouais. Ah, c'était pas ce que je pensais. Ah, ce que je pensais. Oh, je peux l'augmenter. Attends. Ça, c'est la reverb. Non, ça, c'est l'écho. L'écho, on s'en fiche, c'est la reverb. Ah ouais. Eh bien, cher frère. Eh bien, chère sœur. Ah non, j'ai bébé. Non, quitter le groupe, non. Around the world. J'aime trop la voix Artune, c'est trop drôle. Ouais, y'a Duolingo qui est en train de me harceler. Ah. Fais ton espagnol. Fils de pute. Una puta. Can you say une salope? Well done! Ça me rappelle le fameux épisode, tu sais, genre... Tu vois lequel je parle? Oui, Dora la Junkie, exactement. J'ai envie de me la remater après, putain. Peux-tu dire chichon en espagnol? Elle chichonnait! Oh non! Putain! Mais putain! J'arrive pas à jouer là. Bah essaye mieux, mec! Tu ferais gaffe, Pierre, j'avais lancé ma verte il y a 3 heures. Ah, le karma! Ouais. Ah bah en plus, j'ai même pas le temps de sauter dans le vide, du coup, je suis dans la merde. Sur Pierre, en fait, il enlève tous les sons là, pour être concentré. En fait, il nous parle pas. Bon, je peux vous parler si vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Je sais pas, moi, mec. T'as fait quoi aujourd'hui? C'était bien ta journée? Aujourd'hui? Bah, écoute, tranquille, hein. Ah, tranquille. Dommage, j'ai troubleshoot un max, quoi. Ah, c'est troubleshoot de fou, mec. Ouais, je troubleshoot. Ça troubleshoot, ça troubleshoot. Ah, ça c'est une bleue, ça c'est une bleue, c'est une petite bleue dans ta gueule.
Fais gaffe parce que le karma va te ça revient vite. Oui. Généralement moins de 10 secondes. J'entends des bombes, ça fait pas plaisir. Ça fait même plutôt peur. Una bomba. Una bomba. Ma quelle bomba. Le problème des bombes, c'est qu'elles explosent. Boum. Boum. C'était du Orelsan. J'ai eu deux bombes en deuxième, s'il te plaît. T'as trop de chat, ça, mec. C'est dégueulasse, par contre. Et c'est une première place. Mais stop les bombes. Oh, j'ai eu Tanguy en position sur le panneau en haut. Et c'est une première place, les enfants. Eh bien, joué à toi. C'est une bombe qui explose. C'est une bombe qui explose, là. La bomba, là. Bomba. 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 T'as vu cette musique là? Bomba eh. Bomba A. Pro bomba, le gaming. Tout le monde danse la bomba. Tout le monde danse la bomba. Let's go. Bomba. C'est la musique des kamikazes. Oula, 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 oula. Calmons-nous quand même. Hein. Dans un coup de roue des kamikazes à chaque soirée, ils sont là. Let's go. Bomba. Oh l'enfer. Tout le monde explose la bombe. Oh non, non, stop. C'est Big Blue. Tu sais, là-dedans, c'est... Le gros bleu. On met une ceinture. Alors, j'étais avec des amis en pleine partie de Mario Kart et quelqu'un a commencé à tenir des propos un peu déplacés. J'ai risqué le ban à chaque seconde. Ensuite, un ennemi est passé et a coupé le live. Et ma chaîne est bannie depuis ce moment. Bon les mecs. Salut mon pote. Ah. Il y a un thé sauvage. C'est un thé sauvage. On entend un thé sauvage derrière. Oui. C'est là. Ouais. Ok. Ah c'est ce thé là. Ah. Ah ouais je comprends mieux en même temps. J'ai dérapé à l'envers! Vas-y, on la met à côté. Ouais, vas-y, la Kitu qui a fait n'importe quoi. N'importe quoi. Il a fait n'importe quoi, quoi. Ah, elle est cool! Enfin, je suis troisième, je suis le seul. On va faire le contraste. Attention, une bleue. Oh putain, c'est illégal ça. Ouais. Il va quand même la prendre. Tu la prends quand même. Bah ouais. Aïe, dommage. Pour toi. Attends, mais t'as pris un raccourci que je connais pas là. Ouvre tes yeux, mec. Reviens par là. Bon alors, toi. Couche chez Médor. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais quoi? Mais j'ai rien demandé, moi. Oh, let's go. Je suis un dégât collatéral, moi. Mais j'ai rien demandé, moi. Let's go. J'avais même pas... Faut savoir que j'ai pas suivi du tout la conversation, mais la course. J'avais rien de... J'avais rien pour contrer, je me suis juste pris une verte de nulle part qui a servi à rien, genre. Ah bah, je l'ai vu passer devant moi, j'étais en... Ah, let's go. Ah, c'était pour moi la verte. C'est pas moi qui ai... Ouais, en fait, non, mais elle a fait un rebond sur le mur de droite. Ah, mais c'est même pas ta verte. Ah non, c'est pas moi. Oh, l'arnaque. Putain, faut que tu aies été bon, là, je suis trop fort. Il veut pas jouer, Thibaut? Non. Ah, il est si claqué que ça? Ouais. Il a claqué quelque chose. Claqué au sol. Non, mais de toute façon, il n'y a pas la Switch. Non, mais tu peux jouer à deux en ligne sur la même Switch, hein? Non. Ah oui. Si, si. Bah, si, je le faisais avec l'or avant. Ton jeu, il veut pas. Si, si. Je te dis que c'est qu'une personne. J'ai qu'un Joy-Con. Elle était vendue comme ça la console, y'a qu'un Joy-Con et alors? Y'a que le bleu. Y'a que le bleu. Y'a que mes maps hein, vraiment. Bah ouais, ça dégoûte. Ça dégoûte. Si c'est pas comme si c'était moi qui avais choisi Big Blue juste avant quoi.
Ouais, mais avant, genre la moitié, au moins, plus de la moitié des maps, c'était les miennes. Et celle d'avant, c'est la mienne. Sérieux? Bon, ok, j'ai rien dit. Mais non, celle d'avant, c'était moi. Non, c'est bon, on a choisi en même temps. Ah oui, c'est vrai. J'ai dérapé du mauvais côté. Ok, pardon, j'ai rien dit. Ça dérape. La conversation dérape un peu trop vite. Ça rappe et ça dérape. J'aimerais trop faire ça au ski. Mais je pense que je finis au stop. Voilà. Moi non. Faire ça au ski? Oui. Voilà, oula, j'ai raté le 4. J'ai réussi le 4. J'ai réussi le 4, let's go. Je vous ai rattrapé de fou. Alors que j'étais loin derrière. Oh le thé. Oh, venez par là, vous êtes où? On est loin derrière. Vous avez reculé. Coucou le thé. T'as une bleue et tout le monde me rattrape. Ouais, t'es pas loin non plus. J'ai pris un giga cut sa mère, j'étais genre 7ème je crois. Ah bon? Ah ouais, j'ai fait 7ème tout 2ème. Putain, je suis trop con, j'avais de quoi me protéger. C'est ah, oh, protégez-vous. Sortez couvert, merde. Mais évidemment, bien sûr. Ça doit être Christophe de Chavannes quand je dis ça. De quoi? Genre, t'as sorti couvert? Ah non, j'ai pas couvert, je vois trop un mec qui sort avec son couteau et sa fourchette. Oui. Mais quand j'étais petit, tu sais, je croyais vraiment. Mamie, je comprends pas pourquoi il veut sortir ses couverts. Oh non, j'ai raté le cut. Non, j'ai pas la ref. Dans la roue de la fortune, oh, tout. À chaque fin de truc, il disait sortez couvert, n'oubliez pas. Enfin, de toute façon, n'importe où à la télé, il disait tout le temps sortez couvert. Christophe de Chavannes? Oui, avec son petit chien, son teckel. Ah putain, mais je confonds avec. Je confonds avec celui qui a une tache de vin sur le nez. Ah, Jean-Luc Reichmann. Jean-Michel Maire est appelé. Jean-Michel Maire. Tu veux un mec qui sert à rien. Ah, pas très sympa pour le gars. Ah, j'ai des coups, je crois. Ah oui, tu bouges plus beaucoup. Mais j'ai le Dragon Drift, putain. Oh non. Mais Tanguy, pourquoi tu me dépasses? What the fuck? Sors d'où? Qui ça? Oh non, ça, là je suis dégoûté par contre. Mais non, mais j'étais bien. De quoi? Mais Pierre, qu'est-ce que tu racontes? T'es tout seul devant? T'es une blague, Adrien? Bah oui. Mise joke. C'est pour faire croire à Tanguy, t'es toujours mieux. L'humour qui est devant Pierre. Pardon. Aïe. Non, mais j'ai pas compris l'humour, quoi. J'ai pas compris. Ouais. Chose qui arrive, quoi. Chose qui arrive. On se comprend plus. Bon, j'ai réussi à rattraper. Oh, ça saoule. Ça fait deux fois, par contre, déjà. Encore. Ça fait beaucoup, là, non? It's doing a lot, là. Hein. Yes. Là. Está mucho bueno. mucho bueno. Hola, la cuenta, por favor. Yes. Ah ouais, tout ça. Tu veux la cuenta? Tu veux la cuenta? Je peux te la donner si tu veux. C'est pas ça. Hola señorita, calma. Tu veux la cuenta? Hola niña. Hola niña. Un poquito. Un peu. Du coup, vu que j'ai rien à foutre de ma vie là. De ma vie, tu vois. Je suis en train de reprendre le ukulélé. Enfin, je dis ça, bien. Je vais t'accorder aujourd'hui. Hein. Ah. Oh vas-y mec, on va pouvoir faire des covers à deux au ukulélé là. Petit live ukulélé mec. Tu vois t'as un ukulélé dans ta chambre mais tu sais même pas en faire, c'est nul. Bah en vrai moi j'ai commencé quand on m'a offert le mien. Moi aussi. Sauf que j'ai jamais vraiment arrêté. Bah c'est bien ça par contre. Genre j'en fais pas hyper souvent mais j'en fais quasiment une fois par semaine tu vois. Ah bon? Mais attends, mais c'est trop bien. Après je suis pas très très bon hein. Non, en fait, je vais faire des morceaux basiques quoi genre. J'ai pas du tout envie d'être là en mode oui. Mais il y a trop de trucs tu vois genre. Il faut que tu lises un peu de livres. Il faut que tu regardes un peu ta série. Il faut que tu fasses. Ah d'accord, ok. J'ai cru que tu lisais des bouquins pour faire du ukulélé. Mais non. J'ai eu trop peur. Je parle en général, tu vois, il y a trop de trucs. Et j'ai envie de faire un peu de tout, mais tout ça prend du temps quoi. Bon ça va, tu fais rien le soir toi. Le temps c'est de l'argent. Tu fais des trucs le soir? Bah ça dépend oui. Oui, bah regarde demain soir. Faire des trucs. Ouais. Bah, tu parles en général là, pas en vrai. Ouais, non, mais je veux dire, non, mais t'as pas. Je veux dire, t'as pas de trucs le soir, genre, je sais pas moi. Un cours de sport ou je sais pas quoi, tu vois, genre. Ah, bah.
je fais 3 fois du sport dans la semaine. Ah bah ouais, mais tu tires une balle dans le pied aussi. Ouais, mais ça va, t'as du time. En vrai, je pense en découpant bien ta soirée, tu peux. Hein. Faire un peu mais de oui, tout. Mais du coup, je trouve que c'est quoi comme sport on la perd. Je joue le muscu et du badminton. Genre, moi, le ukulélé, généralement, j'en fais la journée en mode vas-y, j'en fais 5 minutes, tu vois, ou alors le midi. J'en fais rarement le soir, j'en fais même pas le soir. Mais ouais, mais du coup, je trouve que c'est genre la spontanéité, elle est nulle part parce que t'es à ce stade. Enfin, moi, je fais vraiment trop de trucs, donc je suis obligé d'organiser en mode alors, là, tu fais une heure de lecture, après, tu fais. C'est l'enfer, une heure de lecture, t'as pas le temps de te mettre dedans. Je dis ça. Moi, la lecture, c'est genre dans mon pieu le soir, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, oh, bah, c'est de, genre, je sais pas, de minuit à 2h, genre. Bah, quand je travaille, ouais. Ouais, ça se fait. Jusqu'à minuit. Tu travailles jusqu'à minuit ? Non, non, je lis. Ah. Ah non. Enfin, mais. Oui. Ah oui, mais non, mais oui. Putain, mais du coup, j'étais concentré sur la discussion. J'ai même pas tenté de rattraper Pierre, genre. Ah non, je l'ai juste suivi. Je l'ai juste suivi, genre. Bonsoir, petit piment, comment ça va ? Aïe, aïe, aïe. Ouais, non, en vrai, je pense que ça se fait, hein. Un truc que j'arrive plus à faire, c'est caler les jeux vidéo. Genre, vraiment. C'est ce que j'allais dire, tu vois. Enfin, vraiment. Je veux lire. Genre, vraiment, je depuis un an ou deux, je joue beaucoup moins. Qu'est-ce que je voulais dire ? Tu veux faire un peu du ukulélé ou apprendre un truc ? Pas forcément du ukulélé, hein. Bon, nickel. Apprendre n'importe quoi d'autre. Genre, même juste, je sais pas moi, apprendre un peu de Photoshop en plus. Je sais pas. En fait après, je. Un film, une série. Après bon bah si t'as envie de jouer bah voilà, enfin ça fait beaucoup quoi. Après le truc c'est que je fais rarement plusieurs trucs à la fois, genre je me passionne pour un truc et après j'arrête. Du coup, ouais, c'est ça. Genre imaginons je commence une série tu vois, si jamais elle me plaît, je vais la défoncer et oui, je vais rien faire d'autre que ça tu vois. Bah c'est ça, bah je fonctionne pareil. Et pareil, un bouquin c'est pareil, un jeu vidéo par exemple, admettons, il y avait quoi, bah tiens le serveur Minecraft avec les potes là, j'y jouais tous les soirs pendant plusieurs heures et genre je faisais que ça. Bah je fonctionne pareil, sauf que du coup tout le temps que tu mets dans le truc que t'es en train de kiffer et tu kiffes, hein, donc ça c'est le principal, bah du coup tu le mets pas du tout dans les autres trucs. Mais c'est pas grave. En fait, c'est pas grave tant que c'est pas un truc, tant que c'est un truc que tu kiffes. Oui c'est sûr. Après c'est sûr. C'est sûr pour bah je sais pas, j'ai pris une case, j'ai pas fait gaffe à laquelle je prenais. Non mais attends, je suis monté, je suis passé dedans et genre t'as réussi à la voler genre au dernier moment. Ah pas sorry. Tous les deux. Mais ah putain la table est là. Et non mais en vrai Mais ça c'est un sujet de discussion que j'ai souvent avec un peu tout le monde. Genre en vrai ça dépend, ça me choque pas plus que ça tu vois. Non je suis pas choqué mais juste Enfin genre le fait de pas pouvoir faire tout en même temps, je me suis fait une raison tu vois. Avant genre par exemple quand je vivais tout seul surtout vas-y les jeux mec c'était 18h30 dès que je rentrais chez moi jusqu'à 2h du mat tu vois. Et je faisais une pause pour grailler vite fait tu vois. Mais c'était ça tous les soirs. Mais maintenant, vas-y, j'ai plus le temps. Hein, en fait, mon truc surtout, c'est genre, quand tu travailles, par exemple, toi, le soir, bon bah, tu sais que t'as une soirée. Alors, imaginons, moi, mon truc typique, tu vois, c'est je rentre, il est souvent 18h, 18h30. Ouais, ça va. Donc, genre, le lundi, mercredi, vendredi, bon bah, je fais une heure de sport, tu vois. Ouais, ça va. Donc, déjà, bon bah, parce que là, on est 19h30, on va dire que je suis lavé, on va pas faire bouffer, nanana. Donc, en gros, bah, tu fais ta soirée à 21h, tu la commences vraiment. Ouais. Bon bah là je suis là, bon bah qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je joue ? Est-ce que je fais un truc autre qui me plaît ? Genre je sais pas, tu vas vers ce qui te chauffe le plus ? Oui mais du coup moi en fait j'ai envie de tout faire. Ah oui ? Donc à force de me poser la question, alors ça m'a déjà fait... Ah sinon tu fais autre chose mec ! Sinon tu fais autre chose ! Tu fais une activité par jour ? Bah, genre le lundi c'est ukulélé, le mardi c'est lecture, le mercredi c'est jeux vidéo, je sais pas... Bah ça va finir comme ça en fait. Ouais, bah c'est pas plus mal en vrai. Ça te fait un vrai agenda et puis comme ça t'as pas à choisir. Parce qu'en vrai genre faire une demi-heure de jeu vidéo et une demi-heure de lecture ça va chier genre. Ah bah oui ça je trouve, tu vois, t'as pas le temps de te foutre dans le truc. Mais tu vois c'est ce que je disais du coup. Ah putain c'est la fin. Ah oui c'était fini bon. Ouais bah oui moi je crois qu'on était au deuxième tour. Et oui je comprends ce que tu veux dire sur la spontanéité du coup. Je comprends. Je comprends. Ouais, c'est vrai que... Oh, c'est pareil, mes soirées à chaque fois passent en éclair. C'est... Si j'ai un jeu qui vient de sortir ou un truc comme ça, je vais le poncer comme Jaja. Bah ouais. Mais une fois que j'ai passé, soit j'ai fini ma série ou soit j'ai fini mon jeu ou un truc comme ça, après je suis là en mode soit.
soit je vais m'en mater un film, un truc comme ça, mais la soirée passe vite, et puis après tu fais hop, ta douche, tu manges, tout ça, la vaisselle, bah t'as déjà pu faire de la soirée. Eh oui. Ah, moi je sais pas, j'ai déjà arrivé de me dire bon, qu'est-ce que je fais, et j'ai tellement cherché du temps à savoir ce que je faisais que en fait bah, je suis allé me coucher parce que j'ai ah ouais plus de temps. Ah ouais, non, moi si j'ai une fois maintenant je veux plus parce que c'est juste pas possible. Moi je suis plus en mode genre j'ai pas assez de trucs, genre en mode bah maintenant le jeu vidéo, tu vois, j'en ai tellement plus l'habitude de m'y mettre le soir que je sais pas, ça me chauffe plus de m'y mettre maintenant le soir. Enfin, genre à part s'il y a un jeu où je suis hypé, tu vois. Ukulélé, j'en fais pas le soir. Du coup, en fait, le soir, moi, je scroll YouTube. Hein. Bah, le soir, oui, pour le coup, on va éviter ça. Ça m'arrive aussi. Ouais, le soir, ukulélé, mais... chiant. Moi, t'es c'est sûr. Pareil, au final, même à côté de ça, vu que nos semaines, elles sont déjà bien rythmées avec le mercredi soir. Ouais, bah, ouais, c'est ça. Hein. Bah, oui. Pour un peu que tu sortes. Si tu sors un jeudi soir. Nous, on sort au moins une fois par semaine avec les gens de Rouen. Bah oui, voilà. Et Evreux, là, il y a de plus en plus aussi. Donc ça nous fait déjà Ça nous fait déjà trois soirs de quasiment déjà plein. Bah bien, ouais. Et du coup, il nous en reste deux autres. Où t'as à peine le temps de faire quoi que ce soit. Quoi. Ça, c'est déjà fini, quoi. Et ouais. Bah après moi j'aime bien en vrai d'avoir plein de trucs à faire tout le temps comme ça. Ah bah ça oui. Moi non plus ça me dérange pas. Après j'avoue. J'avoue putain être tranquille un week-end des fois. Oui. Un week-end à rien foutre ça me manque. Hein. J'avoue que là par contre ça me fait vraiment du bien de rien foutre. Genre, ouais putain. Vraiment, j'ai rien à faire de. Parce que même là la vacances, la semaine de vacances. Vas-y elle était cool hein mais c'était pas reposant quoi. Ah bah non ça bien sûr que non. Après c'est pareil même la partie où tu fais rien bah. Ça, au début ça va et après tu dis putain je me ah non ça par contre mec c'est pour ça que j'allais dire 4 semaines pour moi c'est beaucoup mais là pour l'instant je kiffe de ouf parce que pour le coup ouais ça fait du 4 mois ah non putain moi le c'était blindé quoi rien faire c'est trop bien genre avoir que le boulot donc. Avoir tout le temps devant toi ça c'est incroyable je trouve hein. Bah du coup je fais plein de choses vraiment genre la période Covid à l'école oh la meilleure période de ma vie hein. Ouais. Vraiment où genre voilà. On s'avançait du coup il y avait rien à faire de la journée. Mais mec choisir ce que tu fais toute la journée genre c'est incroyable. Genre vraiment là, faut jamais que je tombe au chômage moi. Vraiment pas. J'ai commencé cette discussion c'est que du coup j'ai le temps de faire tout. Parce que j'ai toute une journée entière. Donc je fais un peu du ukulélé, je regarde un peu ma série. Ouais c'est ça c'est trop bien. Je me suis mis à fond sur Prison Break. Tu fais sur quoi le ukulélé? Non c'est sur YouTube c'est un ah mec. D'accord. Je viens de le recommencer, hein. Je pense que je prendrai peut-être une appli après, mais parce qu'il est un peu chelou. Bah après moi l'appli que j'ai c'est vraiment genre pour les avoir les morceaux en eux-mêmes tu vois. Ah oui. Genre c'est juste des tabs quoi. D'ailleurs oui, l'appli s'appelle Tabs. Il me rappelle un petit peu ouais. Les bases quoi. Je t'avoue ça fait longtemps que j'en ai pas fait là, ça fait au moins 2-3 semaines. Je sais pas si c'est encore accordé. Oula. Quand je dis les bas, c'est vraiment genre G, ouais, il est à peu près accordé. Je sais même plus ce que... C'est rien. Il est pas très bien accordé. Il est bof accordé. Il est bof accordé. Et moi j'adore là. Et c'est après... Le ah oui, le... Oui. Vraiment, Emma, par contre, elle tombe zéro. Et du coup, pour ceux qui se demandaient, ouais, c'est pas juste un élément de décor, je sais un peu en faire. Ouais, justement, pouvoir dire ça, quoi. Bah, en vrai, je dis un peu, mais juste, je connais deux. Enfin, deux, trois. Ah, non, maintenant, on va dire que c'est plus 10-20 morceaux par cœur, genre. Et je sais pas trop faire la rythmique. La rythmique, c'est chiant. Et je suis incapable de chanter en même temps. En même temps de faire la rythmique. Ça te gêne? C'est... Il y a du contretemps, du coup ça me... je me perds. Il y a des contretemps, du coup je me perds. Je pense que l'un des rares trucs où j'arriverai à chanter en même temps de jouer, c'est la batterie. Parce que c'est tellement rythmique que j'arriverai à me caler. Enfin genre en gros, je serais tellement... Ça c'est un truc que j'aurais vraiment voulu faire parce que... La batterie, ouais j'avoue. Ça défoule en fait. Mais tu sais que j'ai déjà hésité à m'acheter une batterie électronique. Ah ouais? Ouais, j'ai déjà hésité. Hein. Ouais. Mais tu sais, je pense, tu sais, en occasion, le bon coin et tout ça, tu dois trouver des trucs pas mal, ouais, tu vois. Bien sûr.
Et j'avoue que c'est un truc que j'aimerais bien m'acheter un jour pour m'y mettre. Et encore, une fois que tu l'as, c'est... Enfin... Évidemment, je me prends les deux. C'est pas la batterie en elle-même, enfin, c'est vraiment tous les petits éléments. C'est comme la moto, en fait. Ouais, genre, bah si tu rajoutes... Ah, c'est cher. J'ai les cymbales, là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas les cymbales. Après, la batterie électronique, c'est genre tout en un, non? Tu me dis si je parle trop fort, hein. Deux. Ah. Oh non, je te parle pas à toi. J'étais en mode, bah non, ça va, frère. Enfin, tu me déranges pas, t'inquiète. Oh, j'ai fait un move de génie. Le move de génie. Oh putain, un coup je prends 3 à droite, un coup je prends 3 à gauche. Oh là là, je suis le cas de la merde. Aïe aïe aïe, oh putain, il y a bleu qui arrive. En période de civil comme ça, là, vous avez toujours assez, autant de taf? Un peu moins, un peu plus? Bah en fait, moi, ça va pour le moment. Moi les clients ils se démerdent pour nous foutre assez de taf pour l'été pour pas que même quand ils partent on soit à la dèche quoi. Mm-hmm. Genre généralement en gros, enfin c'est généralement. Qu'est-ce que je fais? Généralement la période estivale on est sur des gros projets au lieu d'être sur les projets normaux tu vois. Genre un truc qui va être livré en septembre tu vois. Du coup on a tout l'été pour bosser dessus en gros. C'est des gros trucs chiffrés, tu vois. Ouais, je pense que le pire truc, c'est genre vraiment d'être au taf, mais de pas d'avoir rien à faire, c'est horrible. Ouais, par contre, le revers de la médaille, c'est que en septembre, tout le monde revient, et c'est le moment de la négociation des budgets. Mmh. Et là, mon gars, c'est la merde. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont encore plein de budgets, ils sont en mode « Allez, on va faire plein de projets !» Et là, c'est la merde. Là, c'est la grosse merde. Septembre, retour de tout le monde. Enfin, septembre, octobre, c'est genre vraiment le rush sa mère. Mais en fait moi je peux pas rien faire. C'est pas possible. Genre vous dans vos tafs ça marche, c'est peut-être possible, mais moi en gros si je fais rien, je coûte de l'argent pour rien à la boîte, tu vois. Du coup enfin dans toutes les boîtes c'est pareil, tu vois, mais genre quand t'as un poste et que t'as rien à faire, bah t'as rien à faire. Moi genre si j'ai pas assez de travail sur un truc, bah il me trouve un nouveau client genre. Oui. Bon moi c'est je fais de la R&D. Oui. Ouais, mais genre, je veux dire, t'es... Oui, voilà, t'as un truc... Moi, y a pas de truc à faire en attendant, en fait. Mmh. Genre, à la limite, y a de l'auto-formation, mais genre, c'est vraiment pendant un petit moment, tu vois. Genre, c'est vraiment pour boucher un trou de quelques jours. Mais quand t'as vraiment rien à faire, t'as pas de... Bah, je remets en place mes dossiers ou je sais pas quoi, genre... Ouais. J'ai pas de dossier, genre. La différence entre vous et moi, c'est que vous, votre entreprise, c'est juste l'entreprise. Moi, là où je suis, c'est là où on les accueille, les gens et tout. Donc, il y a toujours des trucs à faire. Même ouais, c'est ça. C'est ça, genre. Alors que vous en foutez, c'est la plante, elle est à droite ou à gauche. Oui, vraiment. Y a pas de plante, mec. Tous mortes. Mais. Mais ouais. Non, en vrai, le pire, c'est que tu vois, pour te dire à quel point c'est pas du tout le même univers, je parle avec toi, t'as ton bureau avec genre t'as ton mug à toi et tout le bordel, tu vois. Oui. Ouais, enfin, grosso merdo, tu vois. Genre, moi, je suis dans un open space, mon gars. Si du jour au lendemain, il y a quelqu'un assis à la place où je me mets d'habitude, bah tant pis, je vais ailleurs. Oui, d'accord. Tu vois, c'est genre, c'est ce niveau-là, tu vois. Moi, j'ai un truc trop bien, je ne connaissais pas. Franchement, j'aime trop ce genre de bureau, enfin. Franchement, il devrait y avoir partout. En fait, c'est des bureaux à moitié open space. C'est-à-dire qu'en gros, c'est que des bureaux normaux, sauf qu'au lieu d'avoir des murs, en fait, bah, au milieu de chaque mur, tu as des portes. Donc si tu veux être ouvert à tout le monde et échanger, voilà, être un couloir, et bah, tu peux. Et si tu veux juste être tranquille dans ton bureau, bah, tu refermes la porte. C'est le principe d'un bureau, non? Attends, j'ai pas compris. Non, mais là... pardon, oui, j'ai oublié de préciser, des portes qui communiquent avec les autres bureaux. C'est peut-être un peu plus... En gros, chacun a son bureau, mais les portes communiquent avec les bureaux et pas un couloir. Si, en fait, tu as ta porte classique couloir, tu te casses, et t'as aussi des portes sur les murs qui vont vers les autres bureaux. Ok, et du coup, le but, c'est que tu peux passer d'un bureau à l'autre sans repasser par le couloir. Si tu la laisses ouverte, ça fait open space. C'est vraiment open space, parce que moi, pour moi, je vois juste une porte ouverte. Hein. Dans ma tête, je vois juste, deux pièces avec une porte ouverte, ça fait pas vraiment open space, tu vois. Ça fait une pièce avec deux portes. Ouais, d'accord. Non, c'est pas un vrai open space, mais tu communiques direct avec ton bureau de la personne en face. Oui, oui, je vois. Genre, oui. Tu les vois quand moi, open space, c'est vraiment genre j'ai une personne à ma droite direct et j'ai une personne en face de moi, tu vois. Non. J'ai une personne derrière moi, tu vois. T'es chill et en même temps, si t'as. Voilà.
Non, c'est pas plus mal. Mais en vrai j'avoue que j'aimerais bien avoir mon propre bureau. Mais pour le taf que je fais actuellement, c'est pas vraiment nécessaire. Genre... Ah, mais j'ai le bureau de l'ancienne directrice en plus. Il est énorme. Ah oui. C'est pas vraiment nécessaire dans le sens où j'ai jamais besoin. Enfin, jamais besoin. Je suis tout le temps genre dans ma bulle et tout ça. Mais j'ai souvent besoin d'aller genre demander des infos à droite à gauche vite fait, tu vois. Et du coup, surtout si t'as plusieurs bah, bosser sur le même projet, tu vois. Du coup, l'open space, c'est. C'est giga open space chez moi. Ouais. Je suis jamais au bureau donc. Voilà. Putain, je peux pas là. C'est pas le bon. Moi, je crois que ça me plairait pas. De quoi, open space? Bah ouais, j'aime pas trop qu'on voit mon écran et tout alors que. Ah ouais, bah ça, ça, c'est le problème d'open space quoi. J'avoue, j'étais pas fan à la base non plus, mais bon, après. T'as pas trop le choix quoi. Je sais pas, je me sens jamais pas à l'aise dans le sens. Je suis mal à l'aise, mais juste. Non, mais je comprends le truc. Genre, t'as rien à cacher, mais t'aimes pas qu'on voit ton écran. Bah, okay. Ce qui est logique. Je suis pareil, mais. Mais ouais, non, je sais pas, c'est. C'est pas... Bon, alors, pour autant, mon bureau est toujours ouvert et. C'est un vrai couloir en fait. Les gens viennent tout le temps, je sais pas pourquoi. J'espère que tu verrouilles ton PC. Il me kiffe trop. Non. Quoi? Oh là là. Après, il se met en veille. Ah, attends, quoi? C'est bien. On peut passer par au-dessus? Au-dessus quoi? Au-dessus où? Non, mais j'ai jamais fait gaffe. Il y a plein d'endroits, mec. Hein. Je suis sûr qu'il y a des nouveaux trucs qu'on va découvrir. C'est un labyrinthe, hein. Il est énorme. Il y a encore au-dessus et il y a encore au-dessus, au-dessus. Hein? Oui. Enfin, il y a deux. Oh putain. Je comprends pas trop là. Pourquoi il fait des virages à 90 là? Ah putain! Quand il bouge le truc. Miaou. Miaou. Attends, je vais passer au-dessus. Hein. Moi je peux pas. Ah non, merde, moi aussi. Ça passe pas. Je me suis foncé dedans. Non! Oui! Oh non, tu m'as volé mes caisses! Wesh! Oh, c'est cheap! La fleur de sureau! Oh putain! Oh, c'est trop, c'est too much! C'est trop! It's too much! Oh putain, c'est trop! This is too much! This is too much! Oh putain, je passe par en dessous en plus! Oh là là, il y a rien qui va, je me fais enculer encore. Pas trop, enfin en vrai on est serré là. Faut si je me mange les murs. Oh putain, mais j'ai rien pour me protéger, j'ai pas eu de caisse. Je vais me faire baiser à la fin alors que j'étais premier toute la game, ça dégoûte. Et non mais stop, putain. Et Pierre, t'en as combien des rouges? J'en ai deux. Oh là 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 là, ça dégoûte. Oh oui, putain, justice. Oh putain. Oh la justice, putain. Collé. Alors. Collé. La justice. Après, je pense que je me prenne le mur en vrai parce que. T'as pris le mur? J'ai pas vu. Ouais. Sur la gauche. Aïe aïe aïe. T'as mis combien de parties, Adrien? 6. Ok. Ça va être la. Pas vous entendre. Vous allez pas m'entendre à un moment donné. Ok. Oh non. C'est à combien de team là? Deuxième. Ouais, bon, si c'est pas je vais aller où? Je vais aller là. Tu vas aller te faire ton entraînement du ukulélé, c'est ça? Après, un truc que j'aimerais bien m'acheter, moi, c'est un ukulélé électrique. Je trouve que ça va être très stylé, par contre, faut un ampli avec, quoi. Et c'est pas donné. Ça, Pierre. Allô. Mmh. Ah. Toi. Ça va, ça va. Imhotep. Imhotep, frère. C'était débile, par exemple.
Je suis concentré comme Jaja, je parle même plus. Tu joues au clavier souris ou quoi? Comment ça? Je sais pas, j'entends des bruits de clavier. Non, c'est moi qui tape fort avec mon joystick, genre. Ah oui, d'accord. T'entends? Ouais. Ah oh, mais... j'ai encore le Joy-Con, putain. Non, le Joy-Con drift, là. J'ai tout fait pour faire pipi et tout en même temps. Hein? Et j'ai un Joy-Con drift, non mais ça me saoule. Ils sont tous à l'envers. Mais c'est chiant. Bon voilà, jamais je vous rattrape. Oh non. Putain mais je suis trop con, je crois qu'il va venir pour toi. Pff, je fais n'importe quoi. T'es plus concentré là. T'es... oh putain. T'es quoi l'enfer. Bon de toute façon c'est la fin non. Ouais. J'arrive jamais à te rattraper là. Ah putain je me suis bouffé ma propre... Je te rends bien pourquoi il y a Ludwig ici. J'ai les Joy-Con cassés. J'ai les Joy-Con cassés. Les Joy-Con. C'est les Joy-Con. Je viens d'apprendre que j'ai des c'est potes là qui regardent Barbie, genre au ciné, qui a même pas 5 minutes de chez moi. De MLB. Fait, j'étais à deux doigts de. Ouais, à deux doigts de Tonpet là en fait. Ah ouais. Il m'a super. Dit, oh, je suis vraiment con. J'y ai pas pensé. Bah super. Ça fait plaisir. Je regarde des genres de trucs. Fait plaisir les potes comme ça. Moi je t'en proposais hein. Là, je t'ai même proposé de venir ce soir. Allez on y va. On peut aller le voir si tu veux Tanguy. Pic Dick. Le Pic Dick. Et non pas le Dick Pic, rien à voir. Je vais voir ce qu'ils vont dire déjà demain. Je pense qu'ils vont dire qu'ils l'ont kiffé. Petit resto demain soir. Mmh. Ouais, ouais. Du coup, c'est quoi ça? C'est un resto en fait. Les trois brasseurs, c'est une brasserie à la base. C'est comme. Et je connais pas. Genre, ouais. Ils font de la bière et puis bah en même temps, ils ont commencé à ouvrir des brasseries un peu partout. Ils font aussi de la bouffe, mais c'est vraiment pas mal. Genre, c'est en termes de bouffe, c'est genre au bureau tiers, voire même un peu mieux, tu vois. Ah ouais. Ouais. Bah, j'espère que c'est mieux, oui, parce que au bureau finalement c'est. Ah, c'est ok tiers, tu vois, genre. Je trouve que c'est surcoté au bureau. Alors c'était bien au début, mais. Bah, enfin, dans le... non, mais pas forcément dans la bouffe en vrai, plus dans le délire, tu vois, genre. Ah oui, ok. Dans la gueule que ça, tu vois. Oh non, putain! Wow. Wow. Bah, mais pourquoi elle a fait ça? Wow. Oh. Déjà? Oui. Elle m'a fait mal. Et toi, est-ce que t'as fait mal, Pierre? Bah ouais. Tu pleurais. Oh non, putain, c'est dégueulasse! Ça venait du cœur, ça. T'arrives? Oh, mais vas-y, quand à chaque fois que j'ai une bombe et je me dis putain, je vais pouvoir enfin rendre la monnaie de sa pièce à Pierre. Et bah non. Il est pas là. Bah non, je me fais voler la putain de bombe. Attends mais c'est trop drôle de balancer une bombe dans les trucs où il y a toutes les bouboules là. Toutes les petites collines. Elle fait que de rebondir. Mais putain. Putain comment tu m'as rattrapé, t'as cut aussi? Pierre? Moi j'ai pas cut. Hein? Bon c'est possible mon ref. Bah j'ai pas cut je te dis. Je cut pas sur celui-là. Mais what? Comment tu m'as rattrapé alors? Bah je sais pas, moi je suis la route. Tu vas me dire que c'est plus court de pas cut? J'en sais rien. Je suis collé à ton cul, je vais réessayer. Je cut. Moi oh, j'ai raté mon cut aussi. Quoi? Ah ouais c'est vraiment... Ah ouais tu gagnes vraiment pas grand chose quoi en cutant. Mais non. Pff. Oh là là, ça saoule.
Oh, let's go, je passe devant. Let's go. Pour une fois, regardez bien, je vais avoir la couronne. La couronne. La couronne. La couronne. La couronne. Tiens, d'ailleurs, mes boutons, ils marchent plus. Ils marchent plus, mes boutons. Super. C'est l'heure. Je suis dégoûté. Oh, je fête. C'est la fête. C'est la fête. Voilà, c'est la fête. Voilà, c'est la fête. J'ai envie de vous bousculer à Bangkok. Voilà. Dans le jeu, dans le jeu. Ah, bousculons-nous dans le pinball alors. Ça, vous savez pas pourquoi c'est la fête. Non, c'est pas mec. C'est la fête. C'est la fête. Tournez les moutons. Ah oui, c'est la fête. Oh putain, le 7ème mois. Merci beaucoup, le petit Tanguy, la loté. Oh le thé, merci beaucoup. Je vais me rename, hein, faut arrêter là. Arrêtez, mais il y a des thés partout. Mais un R à la place, ça fait Rangui, c'est moche. Pourquoi? Je sais pas, c'est moche, c'est ça marrant. Je sais pas, j'ai pris une lettre au pif. Oh le R. Oh le R. Le K alors, Kangui. Kangui. La nouvelle voiture. C'est un mélange de Kangoo et de... Et de Twingo, je sais pas. Mais la boule m'est arrivée sur la putain de tronche. J'avais cherché des noms de slogans un petit peu de thé. J'en ai 2-3 qui sont assez drôles, faudrait que je vous les lise après. J'ai peur. Plus, non, gros, c'est ok. Les deux thés, c'est plus fort que toi. Attends, j'en avais un, c'est quoi? Et tutti quanti. Genre et, thé, et tutti quanti, putain. Ah ouais, ah on est à ce niveau-là, quoi. En vrai, avoue, elle est pas mal. Attends, c'était quoi? Et j'ai... Ah, je m'en souviens plus, putain, fou. Oh, tu l'as pas eu, j'ai trop le seum. Mm. Ah, mais t'étais déjà grand, toi. Mais je l'ai vu arriver en plus. Ouais, je sais, mais j'avais vu aussi, hein. C'est pour ça, j'ai ralenti en sortant. Attention! Oh, what the fuck? 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 Les mecs sont vraiment matrixés par cette putain de vidéo. What the fuck? Monsieur Perroquet, je l'aime. Ouh. Ah. Je me suis explosé la gueule, mais... Encore? Putain, je me fais encore voler mes items, là, c'est trop chiant. Putain, mais je suis débile. Bon bah, c'est réglé. Encore. Mais putain, encore. La boule. Ah putain, mais quand tu te fais toucher par la boule, tu perds tes objets, super. Ouais, tout perdu. Bien sûr que oui. Pleurer. De tout. Devant. Bonne réponse. Le plus pragmatique du monde. On est devant, frère. On n'a pas bougé, on est toujours devant. Oh, j'ai une chatte en or. Ou... La chatte en or, mec. J'ai la chatte en or. Oh putain non! Non, j'ai bien fait de faire ça. Mais il fait pas ses drifts, ce connard. Non, je vais pleurer. Oui. Oh la boule. Je l'ai pas. Pas touché à moi. Oh let's go! Oh putain! Oh j'ai serré les fesses si fort! Oh putain, mais j'avais un klaxon, mais du coup je me suis pris la boule. T'as dégoûté. Le klaxon. J'ai trop tenté fort que non. Bendo. Où est le klaxon? Il est là. Il est là le klaxon. Le tutut. Tutut. T'as perdu la ref. Hein? Tutut. Ah mais non mais attends. Je l'avais pas, j'étais pas là. J'ai appuyé, ça a rien fait. Tout est pété, ça me saoule. Ça me saoule. Tutut, grosse pute. Ah non, je l'ai encore, j'ai rien dit. Et aussi celui-là. Ah ça, non, c'est des alertes de sub, ça. Nul. Ouais, mais la rêve de cette vidéo, c'est... Enfin, la rêve de ce son, c'est quand même un gars qui a fait ça, genre, en bagnole avec nous. C'était un pote dans une bagnole, et puis genre, il ouvre la fenêtre et il fait ça aux autres bagnoles, il fait tut tut. Putain,
Putain, mais. Ça, c'est un son qu'on a enregistré, ça. Je croyais que je l'avais déjà entendu, ça, mais pas du tout. C'est bizarre. C'est le son des alertes de sub, mec. Oh, mais elle est trop belle. Hein. Moi, non, 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 c'est trop, c'est trop. Ça résonne. Oui. On dirait qu'il est dans sa salle de bain. Bah, je crois qu'il est dans un couloir ou dans des chiottes. Dans des toilettes. Mais pourquoi? Aïe aïe, je te montrerai peut-être un jour la vidéo entière. Ah oui. C'était sage. Ah. Ah non, je vais trop vite. J'ai arrêté d'accélérer. Faut pas, bro. Ah bah si, ça marche pas bien. J'ai esquivé toutes les boîtes. C'est pas bien, mec. Évite. Non. Évite d'éviter. Évite d'éviter. Oh le thé. Oh le thé. Audite-moi. Oh, il a dit audite-moi, je suis dead. Pas mal. Continue comme ça. Dites-lui. Audite-lui. C'est lui qu'il faut arrêter ça. Ah, oh, j'ai foncé dans le trou. Dans le trou, carré. Je suis tombé. J'ai tombé. Ah, tombé. Tombé là. Je voulais vérifier un truc, effectivement, ça se vérifie. Oh putain. Ça se vérifie, c'est tellement worse. De prendre le haut du truc. Je pensais pas que ça serait autant, mais. Le haut du truc. Le. Bah, rester en hauteur en fait. C'est-à-dire. Parce que j'étais devant toi et j'ai pas compris quelle hauteur tu parlais. En gros, j'étais juste au cul de pierre, tu vois. Et derrière, j'ai. Toi. J'étais juste à. J'ai sauté dans un trou exprès pour voir si par le bas c'était plus court. Ah oui. Et en fait, non. Ça ne l'est pas du tout. Au contraire, tu perds du temps de fou. Ouais, j'ai remarqué. Genre, je me suis écarté de pierre, mais de dingue. J'ai perdu de l'avance, mais de fou, quoi. Je crois que j'ai fait un parcours sans faute. Oh ouais, non, franchement, t'étais bien, là, sur celle-là. Oh, vas-y, on se la mate après sur Discord. Ah oui. Je suis trop chaud. Malheureusement, on ne peut pas la mettre dans le live. On se fasse un live tier list aussi, non? Ah oui, putain. Lécher. Sinon, c'est quoi? Tu vas mourir. Je crois que c'est ça. Oh mince. Mais moi, je veux un chien pour le manger. Attends, spoil pas tout. Spoil pas tout, je veux la redécouvrir. Oh putain, j'ai full rêve dans la tête, mais je veux les réentendre, je veux me resurprendre avec. Mais je me surprends quand même, je me dis, mais comment je pouvais trouver autant de vidéos comme ça? Oh, je sais pas comment les se mettre. Je suis arrivé le matin en mode, regardez, j'ai une nouvelle vidéo. Regardez, j'ai une nouvelle merde à vous montrer. Et tout le monde était content. Enfin. Moi le premier. What the fuck? Le pire, c'est quand j'étais avec Meg là et qu'on avait trouvé les Charlie là. Charlie. Je sais plus comment tu peux trouver ça. Fin... Ah, c'était connu ça. Qui fait ça même? C'était connu le truc Charlie. Hein. Ah ouais? Ouais. Bah je sais plus si. Charlie. J'ai un doute du coup. J'ai un doute si c'est vous qui me l'avez montré ou si je connaissais avant. Je crois que c'est nous qui le voulions. Il y a moyen, ouais. J'ai un doute du coup. Parce que je me souviens que quelqu'un me l'avait montré et j'ai déjà dit à quelqu'un genre. Il y a deux personnes qui me l'ont montré. J'ai déjà dit à quelqu'un. Non, tu m'as déjà montré. Enfin, quelqu'un me l'a déjà montré. Ah bah attends, c'est la première fois que je passe par en bas. Je pars en bas. Les parapentes, là. Oh no, oh no. Non, 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 non. Non, 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 c'est quoi déjà? Tu sais que je crois que je les ai encore, les chansons en plus de Charlie sur mon tel. Ah, elles sont trop bien en plus. Je les ai téléchargées et tout. Ouais, mais elles étaient premier degré, trop bien. Non, non, non. Bon, j'en souviens pas du tout. Hein. Si, j'en ai une, j'ai le rythme dans la tête, mais c'est tout. Oh no, il dit ça au début. Aïe, j'aurais pas dû faire ça. Prends ton guide la chatte. Oui, mais du coup. Oh, mais je suis pas premier. Non, t'es pas premier.
Aïe, je suis jamais passé par là, Alain. C'est horrible. Ce passage secret, j'étais pas repassé dessus depuis la Wii. Parce qu'il est horrible. Sachez-le. Ok, reviens. Et... je suis là pour elle, on s'en fout. J'ai pas le choix là. C'est ma course pour gagner et battre Adrien. En même temps, c'est la dernière. Genre, en gros, là, si t'arrives là, Tanguy, bah j'ai gagné. Et voilà. Désolé, Adrien. Hein ? Ah, c'était ça jouait à ça ? Ah, bah oui, ça se joue à ça. D'accord. C'est arrivé deuxième, on faisait les échos et on avait tous les deux la coupe en or. Aïe 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 aïe. Après, je ne compte pas les points, j'avoue que je suis pas un tryharder à ce niveau-là, Pierre. Ah, moi j'ai eu peur. Aïe 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 aïe. Tout s'est joué là. On aurait pu avoir la coupe en or tous les deux. Oh, c'est pas grave, mec. Hein. On va en remettre. Hein. Bah. Moi j'ai bien exploré. Bah, sur ce, les enfants. Moi je dirais bien salud hein. Salud. Ah salud ça veut dire santé en fait, ça n'a rien à voir. Salida. 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 De quoi comment c'est quoi le deuxième? Salita. Salita ou Salida? Salita. Salita. Je sais pas. Bah il y en a un en catalan et l'autre en espagnol. Ah ouais, oh je l'avais pas. En tout cas sur ce les enfants, des gros bisous. Oui, j'espère que le stream vous a plu et puis à tard plus hein, à mercredi pro. Et bah du coup surveillez l'insta hein, si jamais il y a une petite photo qui pop. Surveillez l'insta, je sais même pas si je l'ai encore l'insta, mais je vous l'envoie, y a pas de soucis quoi. Instagram. Ça part en film un peu bizarre là. Est-ce que c'est ça ou pas? Petit insta. Est-ce que c'est ça ou pas? Ouais c'est ça, let's go. Restez connectés. Let's go. Hop les. Bonne nuit Tipiment, voilà. Salut salut. Et puis des gros bisous bon à tous. Vu le monde qu'il y a, en vrai on va peut-être raid quelqu'un hein, je pense. Hein. On va raid quelqu'un. Allez, même, c'est sûr. Ça part en raid hein. Attendez, on va regarder ça ensemble, on va regarder si on trouve quelqu'un ensemble. Mario Kart 8 Deluxe. Oh le petit raid. Mario Kart 8 Deluxe. On envoie le SWAT. On envoie le SWAT carrément. Ah oui. Ah ouais ouais ouais. Au petit SWAT. Ah ouais ouais ouais. Ah, elle est trop bien la musique qui passe. N'hésitez pas à rester. Eh ben, pour tester les hop. Trois persos, celui qui était plus rapide, c'était Flora Piranha. Ah ouais? Ouais. Vas-y, bah je vais raid un random. Hein. Je vais raid un random que je ne connais pas. Kamek, c'est. C'est celui avec qui j'ai eu le moins de. C'est une salope. Ah non, attendez, y en a que je connais. Ah, mais oui, il y avait elle sur Stardew. Vas-y, on va à la raid. Ok, let's go, lancez le raid. Adrien, ouais. Y a la musique avec. La musique de. Tudora. Ah, je suis mort. Vas-y, je la mets juste après. Bon, bah, des gros bisous, les enfants. N'hésitez pas à rester pour le raid et puis à plus. Salut. À la prochaine. Salut.